Il y a quand même beaucoup de questions d'interrogation et de désespérance aussi, hein, puisqu'on se rend compte qu'entre l'abstention et le vote extrême, cela représente pratiquement 70% du corps électoral. Donc ça veut dire tout simplement que dans ce pays, il y a un fort malaise, une inquiétude, un rejet aussi de la part de la population de certaines croyances spontanées, ce qui veut dire qu'il est important de développer des politiques de fond, des politiques d'intérêt général, dans lesquelles ce que représente l'action de progrès, incarnée par des gens de progrès, par des politiques d'ensemble qui vont dans ce sens-là, doit être mis directement sur le devant de la scène, au plus près des gens.